الناس بالبيت الصحيح من تهذيب المجلس إلى أن يبدأ لهم شيء في التحضر. هذا الأدب يكون حتى في يوم الجمعة أو في أي مجمع كان مجلس عيد أو غيره. الإنسان يجلس حيث ينتهي المجلس لا يتعطى لقاض الناس. لكن في حالة مجلس العلم قد يأذن الشيخ للطالب في التقدم لغرض يريده الشيخ إما لقراءة الطالب عليه أو السلام عليكم. Donc, il est interdit, en général, d'outrepasser les gens pour pouvoir s'asseoir devant, quel que soit le type de l'assemblée. Même pendant, surtout aussi pour le Jumu'a. C'est un comportement qui est connu des musulmans. Exceptionnellement, si le professeur demande ou permet à l'élève de se rapprocher pour quelconque raison, il peut à ce moment-là passer devant les autres et s'asseoir devant lui. Parce que aussi que le professeur sache que les élèves ne lui en voudront pas s'il laisse passer l'élève concerné. Alors, il est interdit de faire lever quelqu'un de sa place pour s'asseoir à sa place. Alors, en islam, c'est une règle. Si quelqu'un est assis là aujourd'hui, il faut juste aller répondre au téléphone ou refaire ses ablutions et qu'il revient et trouve sa place pleine, quelqu'un d'autre s'est assis, il a le droit de reprendre sa place. Il a le droit de reprendre sa place, soit dans une assise comme ceci de science, ou le jour du Jumu'a, il est autorisé de reprendre sa place. Là, c'était sa place, il s'est absenté temporairement. Il est le seul cas de figure où vous pouvez faire lever quelqu'un de la place en question. Car à la base, ce n'est pas la sienne, c'était la vôtre. Mais, dans d'autres circonstances, vous n'avez pas le droit de dire à quelqu'un de se lever pour vous asseoir à sa place. Certaines personnes peuvent vous respecter et vous demander de vous asseoir à leur place. Bien, prends ma place, c'est pas grave. Non, à ce moment-là, vous refusez. C'est un bon comportement de refuser. Sauf si il y a un intérêt quelconque à l'assise que vous vous présentiez à cette place-là. Alors, si le professeur l'ordonne. Que la personne s'assoit au milieu de l'halaqa, même si les hadiths qui vont dans ce sens sont tous faibles, mais ce n'est pas un bon comportement. Ça doit être le juge qui est stable. Enfin, le juge, il y a un commun de l'homme. Ou le juge, il est bon de le faire. Si, il y a un bon rapport. Là, il y a d'ailleurs un adresse. Et si, la personne veut s'asseoir entre deux autres personnes, il doit leur demander la permission. Est-ce que je peux m'asseoir entre vous deux? Et lorsqu'il s'assoit, il ne s'étend pas sur la place pour ne pas gêner les autres. الإنسان الذي يتأدب مع حضور المجلس أنه يتأدب مع المعلم. لم يتأدب مع الحاضرين هذا من سوء أدبه حتى مع معلمه. Bien sûr, le bon comportement il doit être aussi envers tous les gens qui assistent. Car ce bon comportement est aussi un bon comportement envers le professeur. نعم. Il y a plusieurs manières de s'asseoir. Il y a la manière de s'asseoir de l'apprenti et la manière de s'asseoir de l'enseignant.
un apprenti, bon, ce soit avec humilité et retenu. Car ça se voit sur la manière dont ça se voit, l'apprenti, s'il est bien éduqué ou pas, s'il a envie d'apprendre ou pas. ولا يرفع صوته رفعا جليلا من غير حاجه ولا يضحك ولا يثير الكلام من غير حاجه ولا يعبث بيده ولا بغيرها ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجه لا يرفع صوته قبل كنت اردت ان اتكلم مع الناس كنا في مسجد ام في سوق هذا مسجد ام سوق تذكرون الحديث في الأربعة القرآنية وفي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجب بعضكم على بعض بالقرآن القرآن كلام الله عز وجل وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهل يعني الناس على بعضهم البعض بكلام الله فما بالكم بكلام الناس وهذه الشوشرة بعد الصلاة كان هو سوء الله المستعان نعم Donc la personne ne doit pas élever la voix dans l'assise. Elle ne doit même pas chuchoter avec son voisin. Elle doit rester concentrée à écouter le cours. Et tout à l'heure à la mosquée, on aurait pensé à autre chose, on se serait cru au marché. Si vous vous souvenez du fameux hadith qu'on a vu dans les 40 hadiths coraniques, le professeur il a bien stipulé, il a dit, et n'élevez pas la voix les uns au-dessus des autres avec le Coran. Vous vous souvenez, il est rentré à la mosquée, il a trouvé les gens en train de prier chacun de son côté, et leur voix s'était élevée avec quoi? Avec la parole d'Allah, avec le Coran. Et il leur a pourtant dit, il leur a dit, n'élevez pas la voix les uns sur les autres, avec le Coran. Le Coran, c'est quoi? C'est la parole d'Allah sur la terre. Et il leur dit, il ne faut pas lever la voix. Et aujourd'hui, les musulmans, ils se permettent de lever la voix avec leur propre parole dans le demeure d'Allah. On oublie souvent que c'est une demeure qui est. Dont le propriétaire est le créateur. C'est pas nos maisons. Nous, on est bâti avec notre argent, mais c'est pas nous. Les mosquées, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on rentre à la mosquée, on n'est pas chez nous. On est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Un peu de respect. Si vous rentrez dans un palais d'un prince quelconque ou d'un mort, vous permettez ce genre de choses, ce genre d'écart. Vous n'aimez pas les plafonds comme ça. Et pourtant, dans la demande d'Allah azza wa jalla, les gens se permettent tout et n'importe quoi. Donc, ne pas lever la voix, mais à façon, la yadhak, la yakthir kalam, la ghiri haja, la yabith li yadi, ou la ghiri ha, ou la yitafit yamina, la nasir bil al, bil qalam, ou bil kurras, ou bil zarab, ou bil malad fi yadi, ou hatta bil hatif, ou d'ars, yulqa, ou la hadith ashiya, min sou il adab, ولا يلتفت يمين من شمال يعني كلما سمع صوتا تراه يلتفت أو قام شخصا تراه يلتفت هذا ما مركز على الدرس donc il ne faut pas qu'il aime la voix qu'il rit dans l'assemblée ne pas parler sans intérêt ne pas jouer avec ses mains ou autre chose jouer avec un stylo n'importe quoi quelque chose dans sa main ses vêtements le téléphone, le cahier qu'il a, etc. Ne pas regarder à droite à gauche chaque fois qu'il y a quelque chose qui attire son attention, la personne se tourne vers cette chose-là. Et enfin, il se doit d'être assis en face de son professeur et totalement concentré et attentif à ce qu'il dit. Ouais. ومما يدرك الاعتناء به الا يخاف على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملاذه واستفزازه واستنفاره ويمنعه من كمال حضور القلب والنشاط وان يقترب اوقات نشاطه. الطالب خصو يجي الشيخ الشيخ ماشي مشوش بال او ذهن
أو المغبون أو حزين ولا شيء عامل فيه الناس ولا عطشان ولا يعني يختار الوقت المناسب لماذا؟ ما السبب؟ ما الغرض؟ حتى نركز معه لكن لماذا؟ هذا الأستاذ إذا ما إلى جيع ولا عطشان ولا مهموم ولا حزين ولا فرحان من دخل الجوج ولا ما نعرف مهم مشغول بال طالب يقرا عليه بالله عليكم ما تجيش تسمع لي ما تجيش تسمع لي أنا مركز في جهة أخرى إذا من المستفيد في اختيار الوقت المناسب؟ هو الطالب نعم دونك لابرونتي سوا دو شوازيغ لي مومون اوبورتان بور فينيغ ريسيتي اوبخي دو سون بروفيسور و با كو سون بروفيسور il soit préoccupé par quelque chose. Hein? Ou alors qu'il soit là, il a fait une longue journée, l'élève il arrive après la Isha, il n'a pas parlé de la Isha. Ou alors qu'il soit triste, ou alors heureux, je ne sais pas, il a fait un mariage dans sa famille, ou ce genre de choses. Ou alors qu'il ait faim, c'est lors du déjeuner, ou lors de la rupture du jeûne, ou qu'il ait soif, ou qu'il soit fatigué à tes points qu'il somnole. Qu'il soit énervé tout simplement, ou alors que tous ces états d'âme ou ces états d'esprit qui vont nuire à la concentration du professeur. Donc, qui va être lésé en premier ? C'est l'élève. Donc, pour que l'élève profite à 100% du professeur, il faut qu'il choisisse les moments opportuns. Et lorsqu'il voit que le professeur n'a pas le cœur à enseigner, il dispose, à ce moment-là, donc il laisse le professeur jusqu'à un autre moment qui soit plus opportun. Par contre, lorsque le professeur, l'élève voit qu'il est motivé, qu'il achète, qu'il est dynamique, à ce moment-là, l'élève se doit d'en faire plus. Il se doit de rester avec le professeur pour pouvoir en profiter. Parfois, il se peut prendre des assises. Pour des assises quotidiennes, par exemple, le professeur a l'habitude d'écouter les élèves, de corriger leur récitation, sans plus. Un jour, le professeur, Allah Azzawajal, lui a donné la force, la dynamique. Quand il corrige les élèves, en plus, il leur donne du tafsir ou des fawani sur le waqf, des petits dalles, par rapport au Coran, ou des causes de révélation de certains versets, etc. Il ne faut pas qu'il ait en tête à ce moment-là juste la récitation et la correction de sa lecture. Non, il faut qu'il prenne. Tant que le professeur peut lui donner, il faut qu'il prenne. 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 Il faut أو يعلم من الشيخ أنه بعد وجبة الأذان الشيخ يكون قليلا يعني فيه نعاس مثلا فيه نعاس فيقع عليه في هذا الوقت يختار الوقت المناسب نعم ولا يصد ذلك عن ملازمتهم واعتقاد كذلك أحيانا نجيزين في الأدخل أتنتيف à son professeur. Comme le prof, il doit être attentif à l'élève, l'élève doit être attentif aussi aux états d'âme et aux humeurs du professeur. S'il sait que le matin il est plus dynamique que l'après-midi, à ce moment-là, l'élève essaiera de faire un peu plus sa lecture le matin et pas l'après-midi, et ainsi de suite. Pareil, il doit supporter le mauvais comportement de son professeur parfois. Alors, comme on l'a dit hier, le prof reste un être humain. Qui a des défauts, etc. Et se peut qu'il ait un mauvais comportement avec lui un jour, sous la colère ou ce genre de choses, et l'élève se doit de supporter cela. Il ne doit pas cesser de le fréquenter et d'apprendre auprès de lui, hein, et au contraire, il doit interpréter ses paroles de la meilleure manière. Même si en apparence elles paraissent mauvaises, il doit se dire. Il veut mon bien, c'est pour ça qu'il m'a dit ça, etc. Toujours essayer d'interpréter de la meilleure manière. Non.
ويتأول بأفعاله وأقواله التي ظاهرة الفساد بنيات صحيحة، فما يعزف عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عزيز المسلم. Arrivé à ce stade, il ne profitera jamais de la science de son professeur, car tous les profs ont des défauts. Et un jour ou l'autre, il vient qu'il y ait des altercations ou des heurts entre le prof et l'élève. À ce moment-là, il faut que l'élève y renouvelle de piété et de motivation à rester auprès de son professeur en essayant d'interpréter ses paroles ou ses gestes de la meilleure des manières. Et s'il le fait, pourra profiter encore plus de sa science. S'il ne le fait pas, ça arrivera avec d'autres profs, que ce soit celui-ci ou un autre, ce sera la même chose. Si le professeur donc de souhaite plus lui adresser la parole, ou alors il est fâché contre lui, l'élève se doit lui-même de venir s'excuser auprès du professeur. Pourquoi ? Même si il peut arriver que ce soit le professeur la cause, l'élève se doit de venir s'excuser, comme s'il s'excusait devant son père ou sa mère. Pourquoi ? Parce que ça va nettoyer le cœur de son professeur d'une quelconque rancune qui puisse exister envers lui, et ce sera plus bénéfique pour l'élève, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Sur Word, ils font copier-coller.
ou parfois elles essaient de faire un petit peu mieux, mais le souci c'est qu'elles interviennent dans le texte. Sur des mots par exemple qui leur paraissent trop compliqués, ils vont dire, tiens, on va changer ça. C'est mieux qu'on fasse comme ça. Mais c'est pas. Ça ne reproduit pas le texte original. Il faut être. Quand même. Il faut claquer correctement. Il faut être fidèle au texte original, toujours. Donc la phrase qu'il a ajoutée n'est pas dans le bouquin. J'ai oublié de traduire, Madame Yasser a dit le ta'allum, Baqi Amrahu fi Amati Jahala. Celui qui ne patiente pas ou qui ne supporte pas l'humiliation de l'apprentissage, il restera ignorant toute sa vie. Il restera ignorant toute sa vie. Non. مواظبة هي المفتاح من الله حتى في حفظ القرآن ولو تحفظ قليلا لكن يوميا وتواظب عليه تخسر لكن يعني الانترميتانس بحال الانترميتانس استفاد الانترميتانس لا سيونس اللي يحضر درس في الشهر في الانبياء اللي يحضر درس لا يحس بشيء Je n'avais rien à prendre, je suis mis un cours de temps en temps, etc. Mais l'assiduité, même si c'est avec une petite quantité, ça permet d'aller très très loin. C'est la clé de la réussite au niveau de la science. Après, il faut savoir chacun quelles sont ses propres capacités. Il s'agit de savoir le son. Il n'a qu'un. Il s'agit de Kathir. اكتفي بقليل لكن يداوم عليه يعرف نفسه انه يستطيع ان ياخذ الكثير لا يبخل على نفسه يمشي ربي يعطاك الجهد خدم اقرا احفظ بعض الناس يحفظ حتى حزب في اليوم ما عنده مشكل بعض الناس يحفظ حزب في اليوم مش بعيد يمكن يحفظ سته الاحزاب في نهار واحد ويعرضهم عليك سته عادي ربي يعطاك C'est là qu'il donne, pas de raison. Si cette personne, elle apprend autant, il y a des gens, ils apprennent beaucoup en une seule journée. Allah, il leur a donné ce don. Il faut qu'il investisse ce don. Il ne faut pas se freiner, il ne faut pas s'auto-censurer. Si tu peux faire plus, fais plus. Si tu sais que tu peux faire un petit peu, fais un petit peu, mais fais-le tout le temps, le tous les jours. Tu verras que tu vas arriver peut-être même avant celui qui fait beaucoup. Parce que celui qui fait beaucoup, des fois, il compte sur sa capacité et il fait beaucoup une fois ou deux, et après il s'arrête. Qu'est-ce qu'il dit ? De toute façon, je fais beaucoup. Quand je voudrais, je ferai. Là, il ne fait pas. Parce que je ne sais pas, il joue là-dessus. Alors que celui qui ne fait pas beaucoup, il est assidu. Celui-là, il va arriver jusqu'à son objectif. Donc bien sûr, il ne faut pas non plus supporter une charge trop lourde pour ne pas tomber dans la lassitude. Hein, parce que savoir que le nefs, il s'inquiète bien. En fait, on a droit au problème. Alors, je commence à regarder le talami, le palama, il doit avoir un problème ou le talami. كان بعض المعلمين يقول لك لا البقرة بسم الله هذا أنا أخذ التلميذ غير لأن نصور الناس التلميذ يذهب للبقرة هذا اللي يذهب نصور الناس من اللي غيكمل الحزب راح فرن سبح اسم ربك الأعلى تنصور الناس فين ما تكمل شي صورة تفرح تشجع باش يحفظ هذا المرة هذاك اللي يكمل حيزو في البقرة شحال باقي ليه مسكين باش يكمل البقرة باقي غير ما أخر باقي ليه فرحة باقي ما ذاقهاش يقدر ما يكملش البقرة ويخلي كل شيء أنا كي ندير شي طويل دونك لي زابخونتي اون لو كونساي توجور دو كومونسي با لي بتيت صورات اون فا مونتي بوكوا باسكو كاين سيغتان ساتيسفاكسيون افينيغ
une salat. Et ça encourage à en prendre plus, et ainsi de suite. Alors qu'un apprenti à qui on dit de commencer par Surat al-Baqara, entre-temps, celui qui aura appris un hizb en commençant par le Nas, il aura fait je ne sais pas combien de salat. Alors que celui qui a fait un hizb dans le Baqara, il en reste encore 4 pour finir sur le Baqara. La satisfaction, c'est le fait de se délecter d'avoir fini, accompli et achevé une tâche, et le fait de finir une surat, celui qui a commencé par maintenant, il n'a pas encore goûté. Alors qu'il est déjà à l'église, alors que l'autre, il a goûté plusieurs fois. Quand il a pris une messe, par là, il commence, il accède, ainsi tout en montant jusqu'à ce surat là. Donc toujours commencer petit, et après, augmenter. وعند الجهاد يستشير فلم يجده انتظر ولازم بابه ولا يدفعه بالقوه وظيفته الا ان يخاف كراهه الشيء من ذلك. هذا ما انا ما شافش الصفات المهمه جهاد ما نجحش فيه. Les gens d'avant, ne savent pas. يفتارش باب الشيخ حتى يستيقظ الشيخ إن كان في قيلولته. فإذا استيقظ الشيخ وذهب إلى المسجد وجد الطالب مفترشا أمام بابه فيقظه وذهب إلى مسجد سويه. نعم. أما الآن قالوا الشيخ كان تصميم نجي ولا ما نجيش؟ لا أبقى في الدار ما نجيش. هكذا اليوم الزبخوتي يا دي سيكل مش دي أمبا دي سيكل دي سيكل كيف كان دي زين داني بوكسا دي سيكل أنكور بان الموند كونتمبوران دون كان نوي دون لي سيتي كوسموبوليت دون كان نوي سيكل لي زيلير ولي زابخوتي pouvaient parfois rester devant la porte du chef en attendant qu'il sorte pour aller faire la prière. Par exemple, entre Dhuhr et l'Asr, c'est connu que c'est l'heure de la sieste. Ils pouvaient rester devant la porte et même s'allonger devant la porte en attendant que le professeur sorte pour aller à la mosquée. Et ils allaient ensemble à la mosquée pour pouvoir prendre le cours. Aujourd'hui, tu vois l'élève, il a pris les cours aujourd'hui, il n'a pas cours. Alors s'ils n'ont pas la voiture devant la mosquée, ou s'ils n'ont pas ses chaussures devant, s'il n'y a pas le prof, c'est pas la même. Pourquoi? Parce que ceux d'avant, ou les gens comme ça, ils savaient c'est quoi le fait d'apprendre la science. Ils faisaient des sacrifices. Alors que les gens d'aujourd'hui n'ont pas cette science. إذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه بل يصبر إلى استيقاظه أو فراغه أو ينصرف والصبر أولى كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعل. بس كان صغير السن وكان يفترش أمام باب زين بن ثابت حتى يأخذ منه العلم بعد خروج زين بن ثابت على ابن عباس. تعرف ابن عباس مفسر القرآن يب مع ذلك كان يفترش أمام باب زين بن ثابت حتى يأخذ منه العلم. نعم. و خلاصة القول هنا في ما ذكر النووي رحمه الله، والإنسان يعلم من الشيخ الأوقات التي يقرأ فيها، فإن علم من الشيخ مثلا أنه لا يقرأ إلا من صلاة الفجر فلا يشوش عليه في وقت آخر، وإن علم أنه يقرأ في كل وقت يختار الوقت المناسب بين هذه الأوقات فلا يأتيه إذا كان نائما أو كان في وقت أكل أو شرب أو هكذا، ولكن ينتظر حتى يخرج إليه. نعم.
Donc, pas toujours du choix du bon moment pour aller voir le professeur. Si par exemple on sait que le professeur il ne court que après Salat al-Fajr, voilà, ce sera que après Salat al-Fajr. Si c'est un professeur qui est ouvert à toute heure, voilà, on ira, on choisit ça, on choisira pendant dans la journée un moment opportun, comme on l'a vu tout à l'heure, on évitera les moments de sieste, on évitera de déranger. Pénétrer dans la pièce qu'il est sans demander la permission au préalable. Sa communauté dans
début de la journée. Le premier moment, c'est après Salat al-Fajr. Même si, dans certains pays, le Coran se récite avant Salat al-Fajr, les apprentis. Avant, une heure et demie, deux heures avant, le cheikh les attend. Et il récite. Ou alors il leur donne l'ardoise, il leur corrige leur ardoise pour qu'ils puissent aller apprendre par cœur. Et ce, jusqu'à la prière de Fajr. Après la prière de Fajr, ils retournent encore pour apprendre, pour réciter, pour viser, jusqu'au lever du soleil, et après ils vont rentrer chez eux. Voilà. Ça prend en général 4 heures ou 5 heures maximum. Et après, il reste toute la journée pour faire ce dont il a besoin. ينبغي ان يحافظ على الخراج محفوظه وينبغي ان لا يؤثر في نوبته غيره فان الايثار مكروه في القرب بخلاف الايثار في القرب dans le premier rang, à la mosquée, pour quelqu'un d'autre, tu passes au deuxième. Tu autorises ça ? Autre avis, tu autorises ça ? Tu es au premier rang, tu vois quelqu'un derrière toi, parce que tu le respectes, que tu l'aimes, tu viens prendre la place. Qui te dit que c'est cette hasana que tu viens de donner qui va te permettre d'accéder au paradis ? Dans les bonnes œuvres, il n'y a pas de. Il n'y a pas ce genre de choses. Tu ne laisses pas ta place. Mais, dans les choses de la lumière, oui. Il y a un repas, il n'y a plus de place, tu es assis, tu vois quelqu'un qui arrive, tu viens prendre ma place. Oui. Mais les gens vont pas laisser leur place à table. C'est juste pour la mosquée. Non. Donc, dans les bonnes œuvres, il n'y a pas ce qu'on appelle l'Ithar. Je ne sais pas en français. L'altruisme. C'est ça ? Non. L'altruisme, dans les bonnes œuvres, ça n'existe pas. Dans les choses d'un bien, oui. Je délaisse mon droit, je donne ma niche. Mais les bonnes œuvres, non. Moi, j'en ai besoin en premier. Là, Mohammed, il est. On se fait droit à soi-même, ensuite à ses parents. Rabbi Khadri, il est où elle est ? Ça, c'est. Un prophète qui l'a fait, qui l'a dit, c'est pas moi. Ensuite. وكذلك الطالب لا يحسد احدا من رفقته اي من الزملاء لا يحسدهم او غيرهم في فضيله رزقه الله الكريم اياها كانهما بدا الحفظ سويا لكن ختم الثاني قبل الاول وهل يحسد على ذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء او انه لا يستطيع الحفظ جيدا كصاحبه فيحسده على ذلك لا هذا فضل الله يؤتيه من يشاء وهكذا إذن الحسد ممنوع كان مع الغريب أو كان مع القريب دونك تنتهي الذي يتخجل d'un camarade pour une quelconque
par quelques bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné. Par exemple, ils ont commencé tous les deux au même niveau à apprendre le Coran, et il y en a un qui a fini avant l'autre. Parce que l'autre doit être jaloux. Non, Allah Azza wa Jalla a voulu que l'autre finisse en premier. Ou alors que l'un apprend une grosse quantité quotidiennement, et l'autre n'arrive pas à faire autant. Tout ça, c'est Allah Azza wa Jalla qui donne. Alors pareil, celui qui aurait bien sûr reçu ces bienfaits-là, il ne doit pas être impur de soi-même, hein, et se dire moi j'ai, moi je, etc. Non, c'est pas moi je, c'est Allah qui m'a donné. C'est Allah qui m'a donné. Tous les bienfaits, c'est Allah qui les donne. Personne ne s'octroie des bienfaits par lui-même, c'est Allah qui donne. Donc pour éviter de tomber dans ce défaut, hein, dans ce péché, qui est le fait d'être imbu de soi-même, orgueilleux, moi-je, etc., c'est toujours de se rappeler que peu importe le bienfait que tu as, c'est Allah qui te l'a donné. Et tu es faible et tu ne peux te l'octroyer toi-même. C'est Allah qui te l'a donné. Si à chaque fois la personne elle a ça en tête, elle sera humble et modeste. Non. Et pareil, pour éviter de tomber dans la jalousie, c'est la même chose. Le bienfait qu'il a vu chez autrui, il se doit de se montrer que c'est un mariage qui lui a octroyé, que c'est son risque. Et que être jaloux, c'est comme s'il venait se mettre en travers de la décision d'Allah Azza wa Jalla. Car c'est Allah Azza wa Jalla qui a choisi de lui donner ce bienfait. Et donc détester voir le bienfait sur cette personne, c'est comme détester le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si la personne a ça en tête, elle évitera d'être jalouse. وفيهما كثير من الفوائد. وفي الحقيقة الكتاب يحتاج إلى 8 حصص. ذكرت ذلك لإخواننا ولكن لم يتيسر إلا 6 حصص. Donc normalement j'ai besoin de 8 séances pour pouvoir le terminer. On a pu programmer que 6. On va essayer d'en faire le maximum. Ce qui restera, ce sera des questions de jurisprudence. Imam Nawawi, il a tout déballé sur le Madhab Shafi'i, avec des preuves très fortes. J'étais sur le code Shafi'i, le premier médecine de jurisprudence que j'ai étudié, comme mon chef, c'était médecine Adi Shouja, le Fiqh Shafi'i. Bon, étant marocain, après. Je vais revenir sur le Madhab Malik. Alhamdulillah. Naktafi bi hadha al-qadr, la kan shi sura al-Qur'an, wa illa naltaqi bi hadha al-'asr inshaAllah. Khalas? Tayyib. Ana sa'alukum, hal istafadtum? Comment tu poses la question? Est-ce que vous avez profité depuis le début avec ce. Hein, avec ce livre? De quoi vous avez profité? Allez-y. De rien. Comment se tenir dans le conseil? C'est tout?
sincérité, c'est un chapitre très important, le chapitre de la sincérité, de l'Ikhlas. Quoi d'autre encore ? C'est ce genre d'assise qui permet justement de faire revivre, de rallumer la flamme. Tout le monde a eu de la flamme, mais elle a tendance à s'éteindre. Elle a tendance à s'éteindre, il faut la rallumer fréquemment avec ce genre d'assise. J'entends pas. Comme quoi, par exemple. Et pour ça, c'est important de lire des bouquins, mais aussi de connaître leurs auteurs et de connaître leur biographie. Ça nous permet de comparer un petit peu les efforts qu'ils ont pu fournir pour arriver à leur niveau. Et nous, quand on compare avec notre niveau, on se rend compte qu'on est petit par rapport à eux et qu'ils ont fait beaucoup pour leur communauté. Et ils méritent qu'on leur fasse des devoirs tout le temps. Rahimahullah. طيب موعدنا بعد العصر إن شاء الله.